Partout au pays, depuis des générations, des hommes et des femmes de courage consacrent leur vie pour le Canada, mais aussi pour la paix dans le monde entier. L'engagement des Canadiens envers toutes les personnes en difficulté témoigne vraiment de l'une de nos qualités distinctives au Canada, la compassion inconditionnelle. Le jour du souvenir est la journée que nous nous réservons chaque année pour rendre hommage à ces héros. Terry Liston est l'un d'eux. Tous deux, nous avons grandi à Montréal, mais Terry a fait ce que peu ont le courage de faire, se mettre en danger pour aller défendre des innocents dans des endroits reculés du globe. Ce major général à la retraite est l'ancien commandant du Royal 22e Régiment, premier régiment canadien-français au pays à servir au combat à Outre-mer. Il a été d'abord parachutiste dans un bataillon d'infanterie mécanisée. En 1963, dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU dans l'actuelle République démocratique du Congo, Terry Liston, qui était alors lieutenant, a sauvé un patrouilleur congolais coincé dans un champ de mines. Se servant de sa baïonnette comme d'une sonde, Terry Liston a neutralisé 3 mines avant de transporter le patrouilleur en lieu sûr. C'est un acte de bravoure pour lequel il a été nommé membre de l'Ordre de l'Empire britannique. Il a ensuite poursuivi son service militaire en Allemagne de l'Ouest, puis, de retour au Québec, il a commandé la nouvelle brigade francophone, les Bérets Bleus, que l'on connaît tous, pour leur mission à Chypre, en Israël et en Syrie. Il a également dirigé une mission des Nations unies au Sahara occidental. Général Terry Liston, vous qui êtes encore à ce jour un leader de la communauté militaire canadienne, permettez-moi de vous saluer. En ce jour du souvenir, merci beaucoup pour votre service.